Coucou, c'est moi. Ah bah tiens, on dirait que ma petite femme s'est enfin décidée à faire le sapin de Noël en famille. Ah non. Non, c'est ça, moque-toi de moi, hein. Pour une fois que je le mets en avance. En avance, tu plaisantes, on est le 19 décembre. Oui, eh bien l'année dernière, je l'ai mis le 21, au moins. Non, le 23. Au matin. Et pendant qu'on n'était pas là en plus, t'as osé faire ça sans nous. Bien, bien, bien. Bon. Je vois que tu as réussi à réunir ta petite armée. Mmh. Une fois de plus. Tu sais quoi? Moi je vais au salon parce que je dois tracer la dernière ligne droite avant Noël. Encore? Oui. Mais tu m'avais dit que tu t'étais organisée pour avoir tout ton après-midi. Oui, c'est ce que j'ai fait. Parce que je te signale quand même qu'il est 18h30 et que techniquement, eh bien l'après-midi est terminé. Donc, le début de la soirée. J'ai une tonne de boulot. Je m'en vais au salon. Bon, je suppose qu'on ne t'attend pas pour dîner. Bon, enfin, comme d'hab. Bon, écoute, Marie. Quoi? Ça suffit, fais un effort. On ne te voit plus jamais, on ne te voit plus jamais. Et quand on a la chance de t'apercevoir, c'est toujours en coup de vent. Ça suffit, maintenant. Écoute, il faut que j'aille au salon, je me dépêche. Je compte sur vous pour remettre ce magnifique sapin en place. Oh, en plus, il m'a coûté les yeux de la tête. Allez, bisous. À tout à l'heure. Ça, un sapin de Noël qui a coûté les yeux de la tête? Ouais. Mais attends, maman, racheter un sapin? C'est la 4e année d'affilée. Et tu sais bien qu'à chaque fois après les fêtes, elle le replie en vitesse parce qu'elle est en retard pour le taf. Et paf, elle le casse. Ouais. Et encore, cette année, elle a eu la brillante idée d'en acheter un tout neuf. Hein, parce que l'année dernière, elle avait gardé le tout pourri. Mais si, souviens-toi, elle avait crafistolé les branches avec du scotch noir et de la ficelle verte. C'était plus un sapin, c'était un bout de plastoc avec de la ficelle verte. Bon, les enfants, allez, réunion de famille. Allez, viens sur moi. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Bah, moi, en tout cas, ce que je vais faire, je vais parler à maman, hein, parce que je veux qu'elle passe plus de temps avec nous. C'est promis. Non, ça va, cette année, elle a pas fait le sapin toute seule comme l'an dernier. On l'a fait tous les deux. Et même qu'elle m'a amené l'acheter avec elle. Waouh, la chance. Non, Robin, arrête. Arrête, Robin, ça suffit. Mais sois sage un peu. Arrête, Robin. Ah, reste calme. Arrête, Robin. Bonjour Marie. Oh, comment allez-vous? Bonjour Madame Stanley. Et vous, comment vous allez? Très bien, merci. Bon. Oh, mais qu'est-ce qu'il a grandi ce petit? Oh, dites donc.
Moi, qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Des jeux de construction et puis plein de petits soldats. Et tu sais quoi? Je suis sûre qu'il va réaliser tous tes souhaits. Oui, ben ne m'en parlez pas. Avec tous ces jouets à la maison, en ce moment, c'est Verdun. Oh, j'ai le même à la maison. Il a 10 ans, il n'a toujours pas compris qu'il fallait qu'il range ses affaires. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un petit chocolat chaud et un thé vanille, s'il vous plaît. Impeccable. Les bougies? J'ai oublié les bougies pour jeudi. Et jeudi? Pourquoi? C'est ton anniversaire. Non, Marie. Jeudi. Vous avez oublié? Quoi? Ben, c'est le réveillon de Noël. Et après, dans la nuit, le papa Noël vient donner des cadeaux à tout le monde. Mais oui, bien sûr. Je plaisantais, enfin. J'arrive, hein? Dites-moi, Marie. Oui. J'ai vu que vous ouvrez la boutique le 24 et le 25 décembre. Oh oui. Oh oui. Mais alors, vous avez embauché une serveuse? Ah non, pas du tout. J'assure le service. Et vous ne passez pas le réveillon en famille? Mais si, bien sûr, Madame Stanley. Mais vous voyez, je vais terminer. Bon, il va être environ 20h. Je les rejoins et puis je reviens le lendemain matin, hein, juste après l'ouverture des cadeaux. Dites-moi, là, ça doit pas être très rigolo chez vous en ce moment pour que vous ayez envie de fuir à ce point-là. Du sucre pour le petit? Oui, juste un seul, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, voilà, voilà. On va se régaler. Alice, on peut l'inquiéter une jolie paille. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, Madame Stanley, je vous ai mis votre côté préféré. Celui à la vanille. Exactement. S'il vous plaît. Ah, j'en étais sûre. Ah, vous allez vous faire plaisir. Oh oui. Mais dites-moi, Madame Stanley, pourquoi vous m'avez posé cette question tout à l'heure? Excusez-moi, Marie, mais c'est depuis que mon fils a vu le vôtre dans la cour de récréation. Ah, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est toujours passé? Triste, tout le monde sait ça. Et même que l'autre fois, il pleurait dans la cour de récré. Je suis allée le voir. Mais pourquoi il pleurait? Je sais pas, j'avais trop envie de faire pipi. Ah bah tiens, tiens, mon petit lutin dort pas encore. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi maman, elle ne vient plus me lire une histoire comme avant? Ben, peut-être, je sais pas, parce que t'es trop grand. Peut-être pas. Ou peut-être parce que maman travaille. Oui, mais toi aussi, tu as beaucoup de travail. Tu es là? Oui, ben, on travaille tous les deux avec maman, mais on ne peut pas comparer nos travails. Tu veux que ce soit moi qui te lise la petite histoire? Il n'y a que maman qui sait le faire. Toi, tu ne sauras pas. Ben, je sais pas, on peut peut-être essayer. Regarde, t'as ton livre là-bas. En plus, celui-là, je l'aime bien. Allez, on y va? Oui. Dépêchons-nous, il faut finir. Demain, c'est Noël. Et Claire prend des forces. Cette nuit, la route sera longue et le traîneau est très chargé. Regarde, la petite souris est toute joyeuse. Le Père Noël vient de lui donner son cadeau. Il en reste 9. Mais pour qui sera le prochain? C'est parti! Le traîneau démarre en trombe, mais très vite. Le vent le fait tournoyer. Badaboum! Le Père Noël atterrit dans la neige et Lila, son assistante, se rattrape à une branche. Pendant ce temps, les corbeaux en profitent pour emporter les cadeaux. Il en reste 8. Mais pour qui sera le prochain? Votre lettre au Père Noël. Bon, mais allez, je prends ça comme un oubli. Du coup, je viens prendre votre commande. Alors, que
Que voulez-vous? Du maquillage, peut-être? Ou une nouvelle garde-robe? Non. Et pourquoi pas une nouvelle table? Plus. Voyons voir. Et pourquoi pas une cocotte minute? Ou une nouvelle cafetière? Toujours pas. Ou alors un petit bébé tout neuf. Ah, tu l'as retrouvé, Bino? Oui, et puis je trouve qu'il me va plutôt bien. J'envisage même de devenir la Mère Noël. Car le Père Noël se sent très seul depuis que la vraie Mère Noël s'est transformée en courant d'air et qu'elle n'a vu que pour sa boutique et pour son travail. Ça veut dire quoi, ça? Que je ne m'occupe plus de vous? Je me suis toujours battue pour vous. Souviens-toi de Noël. Qui passait des heures en cuisine en train de préparer pendant je ne sais combien de temps le repas? Qui décorait la maison de A à Z? Mais là, tu vois ma fille chérie. C'est ma création. Et ça marche. Je suis comblée. Comment je peux t'expliquer ça? Tu vois, c'est comme un troisième bébé. Et un troisième bébé, ça prend beaucoup. Oui, mais moi je déteste ton bébé! Il prend toute la place, j'en ai vraiment marre! Oui, non mais... Maman, je voulais pas dire ça comme ça, mais comprends-moi. T'as plus toutes tes attentions. Tout a changé depuis 4 ans. Tu... veux parler du sapin? Tu plaisantes. J'en ai acheté un tout neuf, là, il y a 2 jours. Oui... Et l'année prochaine, on le rafistolera avec de la ficelle verte et du scotch noir. Parce que tu l'auras cassé, ou parce que tu l'auras rangé en vitesse, sans aucun soin, c'est ça? L'idée était bonne, hein? Non, aussi nul que de travailler le jour de Noël. Écoute, j'y peux rien, j'ai tout un tas de boulot, il faut bien que je le fasse, c'est tout, c'est comme ça. Mais non, tu travailles pas, tu vis pour ton travail. Papa, lui au moins, il fait des efforts pour qu'on soit tous ensemble. Alors que toi, tu n'es jamais là, t'as toujours quelque chose à faire. Même pour l'anniversaire de Robin, tu étais en retard. J'étais là au tien. Lequel? Celui que tu as confondu avec l'anniversaire de papa? Je te revois encore ce jour-là, planté devant lui avec une cigarette électronique. Tu étais vraiment ridicule. Écoute, ton père a aimé le cadeau, hein? Et je me suis rattrapée le lendemain. Mais non, mais je sais, maman, mais je comprends pas que si tu étais là comme tu devrais normalement l'être, tu n'aurais pas besoin de te rattraper. C'est les fêtes de Noël. On va encore les passer sans toi, c'est ça? Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Je ferme le salon à 20h. Et je suis là dans la foulée, ma chérie! Super. Et dès demain, c'est le réveillon de Noël. Et le réveillon de Noël, ça se fait en famille au complet, maman. Alors j'espère qu'on te verra un peu plus que 2 heures cette fois-ci. L'esprit de Noël, maman. Ça te dit encore quelque chose, j'espère. Non, tu vois, je suis juste venue récupérer mon portable que j'ai oublié sur la table. Mais je vous jure que je fais vite. Allez, pour 21h, je suis là. Pour la dinde. Papa s'en occupe. Merci, mon bonhomme. Tout à l'heure. Et joyeux Noël, ma petite dame! Je vous demande pardon? Enfin, joyeux... C'est peut-être pas génial, non? Marie! Mais qu'est-ce que t'arrives? Pourquoi tu laisses pas rentrer l'esprit de Noël dans ton cœur, comme tu l'as toujours fait depuis ton enfance? Enfin, presque. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le Saint-Nicolas, la noix, là? Fiche-moi la paix, je ne vous connais pas!
Ah, on ne se connaît pas. Tu ne me connais pas? Non. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Non. Mais bon, comme on ne se connaît pas, permettez-moi de m'introduire moi-même. Dans quelques pays chauds, on me nomme Djibril. Bien sûr. Mais ici, c'est plutôt Gabriel. Et maintenant qu'on se connaît, je peux te le dire. Qu'est-ce que tu as changé, Marie? Maintenant, ça suffit. Bon, je peux passer? Si, mais vous allez me laisser passer, bon sang, mais c'est pas possible, ça. Mais je... Oh! Je vais m'énerver, hein. Mais... Oh! Maintenant, ça suffit, hein. Oh, vais... ça devient tactile. Marie, fais-moi confiance. Bonjour. Bonjour, monsieur l'agent. Vous avez un problème avec cet individu, madame? Non, monsieur l'agent. Vous êtes sûr? Oui, certaine. Oui, non, mais elle est sûre, monsieur l'agent. Elle n'a pas fumé, elle n'est pas pétée. Tout ce qui est de plus normal, je vous l'assure. Oui, mais vous, monsieur, c'est pas vous que je m'adresse, c'est à madame. Parce qu'en plus, vous vous moquez de moi. Vous voulez passer le réveillon en cellule? Oh oui! Embarquez-moi! Il est comment ton sapin? Dans ta pâte à cage? Et pour le dîner, je suppose qu'il va y avoir de la patate ou de la morue! Alors, oui, passez-moi les menottes, mais une condition, hein, c'est que je participe au festin. Moi qui étais tout seul pour Noël, je ne vais pas passer tout seul Noël! Moi! Alors vous vous calmez, monsieur. Vous avez 5 secondes pour me présenter des excuses ou je vous colle un outrage à agent. Vous avez compris? Je vous demande de bien vouloir pardonner mon écart de langage et ma conduite inappropriée. Allez, joyeux Noël! Et puis, te fâche pas, ça y est, ta maman elle est guérie et ce soir, ta femme... Chut. Va t'annoncer qu'elle a enfin un polichinelle dans le tiroir. Non, monsieur l'agent. Écoutez, non, s'il vous plaît, je vais vous expliquer. C'est mon frère et il a trop bu. Non, je vais le ramener, vous inquiétez pas. Mais s'il vous plaît, ne l'emmenez pas. N'allez pas l'embarquer le soir de Noël tout de même. Soyez sympa. D'accord. Merci, monsieur l'agent. Bonne soirée. À vous. Bonne soirée, joyeux Noël. Merci. Grâce vous soit rendue, gente dame. Et grand merci. Ah oui. En tous les cas, si vous voulez me remercier, hein, eh bien, cassez-vous. Et puis, moi, j'ai autre chose à faire que d'écouter vos délires. Tu as raison. Nous nageons en plein délire. Tu vas aller t'enfermer dans une boutique, à reluquer un tiroir caisse... dans l'indifférence quasi générale. Et tout ça pour l'illusion du devoir de productivité. Oui. C'est magnifique. Allez, vas-y. Ouais. Oui, j'y vais. Vas-y. Vas-y faire le planton à reluquer un tiroir caisse. Que ton petit mari qui fait tout à ta place et tes deux enfants qui t'aiment passent Noël tout seul. C'est pas grave. T'en es plus à ça près dans les bêtises. Mais vas-y, vas-y. Laisse tomber ta famille. Laisse-toi tomber toi-même. Après tout, comparé à la boutique, Marc, Léa et Robin ne sont peut-être que des détails. Mais comment vous savez ça? Tu veux savoir? Oui, j'aimerais bien, oui. Tu veux savoir? Oui. Alors, viens, viens, viens. Et je ne te mangerai pas.
Ah bon? C'est chez toi? Oh, c'est joli. Oh, c'est cosy, hein. Ah, j'aime bien le côté un peu... Oh, c'est mignon. Viens. Regarde, regarde là. Tu te trouves pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Oh, si, si. Le sapin n'est pas droit. Aussi, aussi, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Regarde bien, il n'y a pas quelque chose qui manque? Bah, non, tout est en place. Sauf le sapin qui n'est pas droit. Bon, alors, on passe la seconde. La nuit de Noël, c'est quoi? La nuit de Noël, c'est... un beau sapin, des guirlandes, des lumières, un bon dîner! Oui, 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 oui. Et l'amour, il est où là-dedans? Bah, là, dans le cœur. Ça m'énerve, le sapin n'est pas droit. Mais on n'est vraiment pas sorti de la poudreuse, hein. Bon. Non mais... Quoi? Non, Comment tu m'as... Bon, maintenant qu'il est droit, le sapin, je réessaye. L'esprit de Noël, c'est quoi? L'esprit de Noël, c'est croire en la magie, justement. Mais pas celle-là, la vraie magie. C'est peut-être une petite famille qui a plaisir à se retrouver et partager ensemble. Non? Enfin, pour toi, c'est quoi une famille? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Deux parents et des enfants. Ah, parce que là, tu vois deux parents, toi. Alors, attends, je cherche. Et pas là. Et pas là. Mais où qu'elle est, maman? Où est-ce qu'elle est? Ben, elle est là. Donc forcément, elle est en train de se ligeler avec toi. Elle peut pas être là. Oui, t'as raison. J'aurais dû accepter la proposition du poulet. Au moins, j'aurais été au chaud. Mais dis donc. Quoi? Dehors. Oui. C'est pas par hasard la place que tu as choisie? Depuis que je t'observe, tu cours dans tous les sens. T'es jamais là au même endroit. Tu fais toujours tout un tas de trucs et il y a une chose qui a disparu. Je ne vois plus de maman. Je me trompe? Oui, bah, peut-être que je suis pas faite pour être maman. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, des énormités pareilles, j'en ai pas entendu souvent. Mais tu sais très bien que c'est faux. Rappelle-toi, avant le salon, t'étais géniale. Tu faisais même la mère Noël. C'était beau, il y avait des rires plein à la maison. C'était le bonheur. Sauf que maintenant, c'est du passé. Eh oui, maintenant tu es devenu comme tous ces gens tristes. Tu ne vois Noël que d'un point de vue strictement commercial. C'est pas vrai. C'est vrai que je passe beaucoup de temps au salon. Mais tu ne comprends pas. Je m'épanouis. Ah oui, en effet, là c'est vrai que t'es épanouie. T'es aussi épanouie qu'un cupcake. Non mais regarde-toi, Marie. Marie, t'as la tête dans le guidon, t'as déraillé il y a très longtemps et tu continues à pédaler dans le vide. Marie, tu te donnes à 200% toute l'année. Mais la nuit de Noël, fais une pause. N'oublie pas que tu es aussi un être sensible. Eh oui, tu as autant besoin d'amour pour vivre que de manger, boire et respirer. L'amour et l'eau fraîche, il me semble que... Eh ben, ça remplit pas la gamelle, hein? Non. Non, c'est vrai. Ça la remplit pas. Parce que c'est la gamelle. L'amour. L'amour, c'est ce qui te fait vivre. Ce qui te donne envie de te dépasser. Tout simplement parce que tu les aimes. C'est ça ce que la magie de Noël nous rappelle. L'argent, on t'en fera plus tard. Et puis c'est tout.
Oui. Tu vois, ça me rassure, moi, de les savoir à l'abri. Oui. Être entourée comme ça de confort. Tu me parles de la magie de Noël. D'accord. Mais tu peux me dire qui va acheter les cadeaux? Parce que ce que t'as peut-être oublié, c'est que j'ai passé l'âge, moi, de compter sur le Père Noël. Et tu en oublies ceux qui ne s'achètent pas et qui sont pourtant les plus précieux. Connais-tu ce vieux proverbe chinois qui dit « Maison de paille où l'on rit vaut mieux qu'un palace où l'on pleure » Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la véritable fortune, elle n'est pas dans le portefeuille. Non, la vraie fortune, c'est savoir se réjouir du nécessaire. Et qu'est-ce le nécessaire me concernant? Il est juste devant toi. Juste là, devant toi. Vas-y. Vas-y. Laisse-toi envahir par l'esprit de Noël. Tu vois, c'est aimer, partager, réunir. Ça, c'est si simple et si compliqué parce que ça ne s'achète pas. Ça se donne. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, à toi et à eux. Non mais c'est vrai. Tu as sans doute raison. Je crois que je suis en train de passer à côté de la chose la plus importante. Mes enfants, mon mari chéri. Mais comment je peux faire pour te remercier? Oh, je sais, tu vas venir partager le repas de Noël. Oui, tu vas venir faire ça parce que je veux pas que tu restes tout seul, je veux pas...